Ouais, j'entends pas les rageux. J'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui fait plaisir. Enfin les gars, après tant d'années, tant de moments, tant de mois, je n'en peux plus. Le Battle Royale les gars sort dans une semaine, sa mère, j'ai envie de péter un plomb. Enfin les gars, enfin. Non vraiment je suis à vous, vraiment je suis à vous les gars, j'espère que vous l'entendez. La voix d'un homme qui n'en peut plus. Mais enfin les gars, il sort jeudi prochain. Le Battle Royale et machin les gars qui arrive. Alléluia, merci à Battle Royale Gacha sur MHA qui arrive. Que demander de plus? Franchement, que demander de plus? Du coup, voilà, donc ils l'ont annoncé ce matin, les gars. Ils l'ont annoncé ce matin, ils ont sorti une vidéo dessus. Vous voyez en arrière-plan. Le MHA sort, du coup, dans une semaine, les gars. Dans une semaine. Une! C'est si peu loin, mais si loin en même temps, c'est terrible. Sachant qu'il y a des nouveaux persos, il y a Ejiro qui a été annoncé, du coup. Vous pouvez voir le gameplay qui a l'air plutôt pas mal en vrai. Il y a Momo aussi qui était du coup le deuxième perso. Vous savez, à un moment ils avaient montré une image où il y avait des persos cachés en noir un peu. Du coup c'était Ejiro, c'était Momo et c'était Ibarra. What the fuck. Donc il y a Ibarra, regardez-moi ça avec ses cheveux là. C'est incroyable. Du coup ça va être les trois nouveaux persos. Donc ce sera un Battle Royale un peu gacha pour avoir les persos, vous savez. Il faudra invoquer et tout pour obtenir les persos, etc. Après je crois que les sorts ce sera en game et tout. Vous aurez aussi des costumes, des skins et tout sûrement pour... mais voilà, c'est grave cool. Franchement, c'est trop cool. En plus, c'est sur Steam, Nintendo Switch, Xbox, PS4. Donc c'est partout, les gars. Vraiment, tout le monde pourrait y jouer. On va se régaler. Ça sort dans une semaine. J'ai envie de péter un plomb. C'est free to play, bien sûr. Le Battle Royale sera gratuit, les gars. Hein, c'est pas payant. Et ça fait plaisir. Voilà, donc le 28-9. Donc dans une semaine, les gars. Jeudi prochain. C'est si loin, mais si pas loin en même temps. Bandai, si jamais vous m'entendez, mes DM sont ouverts. Hein, si vous voulez faire des trucs et tout, je suis là, frérot. Je te jure que je vais trahir ton jeu. oh là là, ça fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir, les gars. Je suis refait. En plus, on se fait tellement chier en ce moment sur les jeux, les gachas, enfin, tous les jeux même. Il n'y a aucun jeu. De toute façon, tout le monde attend la fin de l'année pour sortir leur jeu, quoi. Avec Noël, etc. Il y a plus d'argent, donc ils attendent tous la fin de l'année. Là, on est vraiment dans une période creuse. Et du coup, on aura le Battle Royale de MHA la semaine prochaine, les gars. Ça fait putain de plaisir. En plus, je suis en vacances. On va se tuer. Oh, les gars, je suis trop excité, en fait. Là, je suis trop excité. pardon. Mais oui, non, on va se tuer en live. Ça va être incroyable, les gars. Je vais tryhard comme jamais. Vous savez, de toute façon, les jeux MHA et moi, c'est une grande histoire d'amour. d'ailleurs, si jamais sur leur page Twitter, les gars, s'il y en a qui ont Twitter, ils font une campagne, voilà, où si vous abonnez à leur compte Twitter, en gros, on aura des récompenses en plus. C'est un peu comme les récompenses de préinscription, vous savez, sur les gachas. Donc là, genre, par exemple, plus 1000 followers, on aura 1000 points d'agency en plus. 3000 followers, on aura des tickets de recrutement, je crois. Bah, du coup, pour les persos, on aura des gros cristals à 5000, etc. Tickets de rôle encore, x5 à 7000. 10000 followers, on a un personnage. On aura un ticket de personnage, x1. Est-ce qu'on pourra choisir le perso qu'on veut? En vrai, il y a pas mal de persos, donc si on peut choisir, ça peut être vraiment incroyable. Bah, je crois qu'ils les ont déjà, de toute façon. Hein. Ils sont à combien? Bah, ils sont à 20000, là. Ils étaient à 18000 avant que je lance la vidéo. Hein. Juste avant que je lance la vidéo, j'ai regardé, ils étaient à 18000. Là, ils sont déjà à 20000, donc je pense que c'est fait. Bah, après, s'il y en a qui veulent suivre et tout, les infos, les gars, bah, c'est là-bas, du coup. C'est sur leur Twitter. Et franchement, ça fait plaisir, les gars. Franchement, ça fait plaisir de fou. Parce que le jeu, elle a l'air vraiment incroyable. C'est vrai qu'il a une grosse vibe Fortnite, du coup, maintenant qu'il y a eu les skins sur Fortnite. C'est vrai que ça ressemble pas mal. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de différences qui font que que le Battle Royale est pas non plus identique à 100%. Et en vrai, je trouve qu'on ressent quand même la vibe MHA un peu, tu vois. La ville et tout. Donc ce sera 8 types de 3. En vrai, c'est pas non plus énorme, je crois. Enfin, attendez, 8 x 3, ça fait 46 x 2 divisé par 12, ça fait 224. Ouais, non, ça, en vrai, ça devrait le faire, je pense. Ça devrait le faire. Pour ceux qui n'ont jamais vu de gameplay, les gars, je vous en mets au fond tranquillement. Franchement, c'est plutôt cool. Il y a vraiment, en plus, il y a pas mal de persos. Et alors, il y aura des persos plus forts que d'autres, je crois. Après, ils ont fait pas mal d'ajustements. Je me rappelle que sur la première bêta, quand le jeu était sorti, il y avait énormément de différences de power, en fait, entre chaque perso. Il y en avait qui étaient ultra cheatés par rapport à d'autres. Je me rappelle, j'avais vu des vidéos de Momo, où, du coup, vous savez, elle grandit. Elle mettait un coup de pied, boum, elle balayait tout le monde. Elle one-shotait 6 personnes d'un coup. Mais du coup, ils ont fait pas mal de taf, quand même. Ils ont vraiment bien taffé et tout, et normalement, il y a eu beaucoup d'équilibrage. Donc ce sera vraiment un Battle Royale à jouer en team, les gars, en team de 3. Hein.
Alors, je sais pas s'il y aura d'autres modes, genre du 1v1, 2v2. Moi, j'espère à tout prix qu'il y ait des parties privées, en fait. Parce que s'il y a des parties privées, les gars, en live, on va se faire des tournois, mais de zinzin, vous imaginez même pas. J'ai trop envie de jouer au jeu, en fait, là. J'ai trop envie de jouer au jeu, les gars. Je me gratte les veines tous les jours depuis 6 mois. Alors, j'espère vraiment que ça va pas être un flop. J'espère vraiment que le jeu, il va être cool et tout, qu'on va bien s'amuser dessus. Parce que je n'en peux plus, bordel. De toute façon, je pense que ça s'entend. Mais voilà, du coup, ça va être grave cool. Le Battle Royale, je sais pas si vous avez déjà vu le gameplay et tout. En vrai, c'est pas un gameplay non plus ultra compliqué. Vous avez des skills en bas à droite. Vous pouvez ramasser des cartes, des skills et tout pour level up vos skills. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous voyez qu'en vrai, je pense à... Enfin, en fait, en vue de loin, au début, on se disait, mais en fait, ça va être trop dur de toucher les gens. Putain, regardez-moi le All Might qui rampe au sol, ça fait mal au cœur. Mais en vrai, au début, on se disait, je sais pas si on y se rappelle, que ça avait l'air ultra dur de cette visée, toucher les gens et tout. En vrai, je pense que ce sera plus simple qu'on pense. Je pense que ce sera plus simple qu'on pense. Alors après, ce sur console et tout, je sais pas trop comment ça va se passer. Je vous avoue que je suis pas un joueur manette, moi, je suis un clavier souris. Donc, je vous avoue que je vais vous mettre des petits 90 degrés dans la tête. Je vous préviens d'avance, les gars. Mais en vrai, ça, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je sais qu'il y avait Tsuyu aussi. Tsuyu, à l'époque, au tout début, on la voyait, elle sautait d'immeuble en immeuble. Elle avait l'air impossible à toucher. Et en vrai, je pense que ce sera plus simple qu'on pense. J'espère, en tout cas. J'avoue que si c'est trop dur, tu vois, on va pas repartir dans un délire de Battle Royale ultra tryhard et tout. Construction impossible à rattraper, etc. Tu vois, si vous voulez que je parle sur Fortnite. Mais là, je pense que ça devrait être plutôt accessible. Ça va être cool. Ça va être trop bien, les gars. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, sa mère. Franchement, j'ai trop hâte. En plus, attendez, les petits gameplays de Bakugo, il fait plutôt plaisir. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres persos. Hein. Là, je vous ai mis Bakugo au pif. Vraiment, j'ai mis au pif, les gars. Mais il y a vraiment pas mal d'autres persos. En plus, ils comptent en sortir d'autres. Donc, voilà, ils vont suivre le jeu, je pense. Enfin, en tout cas, ils ont l'air de suivre le jeu. De suivre un peu ce que les gens pensent, ce que les gens disent sur le jeu, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va et tout. Donc ça, c'est cool. Les Bandai a l'air d'être à l'écoute. Et faut en profiter. Faut en profiter parce que c'est... Maintenant, ça se fait rare, les jeux où les gens écoutent. Les joueurs. Donc faut en profiter. Et ça, je pense que ce sera le cas, en vrai, sur le jeu. Ça fait plutôt plaisir, voilà. Enfin, petite Ochako, comment je vais jamais la jouer. Comment je vais jamais la jouer, là, Ochako. Attendez, mais faut que je me prépare une team e-sport de deux autres personnes, là. Faut que je fasse ma team e-sport de 3, non? C'est quoi ce bordel? J'ai eu tryhard. Si jamais, les gars, d'ailleurs... Si jamais je vais créer je vais créer carrément direct des canaux sur le Discord. Il y aura des vrais canaux, les gars, sur le jeu. Si vous voulez rejoignez, je vais créer des canaux pour trouver des gens, jouer, parler, chill, montrer vos invocations et tout. Vous aurez tout sur Discord, comme d'hab, vous inquiétez pas. Ça sera bien fait. Donc si jamais vous avez le Discord dans la description, les gars, si vous voulez rejoindre un peu en avant, je mettrai toutes les infos, tout ce qu'on a pendant la semaine en attendant que je sorte. Il y aura tout sur le Discord ce soir même, ce sera fait d'ici là. Si vous voulez le rejoindre. Et du coup, on se retrouvera dans une semaine, les gars. On se retrouve dans une semaine sur Twitch pour tryhard tous ces morts sur le Battle Royale. Je vous le dis. Donc voilà, les gars. Donc voilà, j'espère que vous êtes hype aussi. J'espère que je suis pas le seul. Pitié, laissez-moi pas seul, s'il vous plaît. Pour une fois qu'on a l'air d'avoir un bon jeu et machin. Pitié, venez avec moi. Montez dans le train, s'il vous plaît. Mais bon, on verra bien, les gars. Je vous laisse là, les frérots. J'espère que ça vous a hypé un petit peu. Laissez un petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Puis on se donne rendez-vous dans une semaine en live sur le jeu, les gars. Let's go. Je vous laisse là, les frérots, et prenez soin de vous, et ciao.